ce vélo ressemble à un vélo, mais c'est beaucoup plus qu'un simple vélo. C'est un vélo électrique. C'est un véhicule qui peut se positionner entre le vélo classique et le scooter. Donc c'est une petite batterie qui fait 4 kg, très légère. Et comme un téléphone portable, on la met dans le salon, on recharge 6 heures. Et le lendemain, on est parti pour 40 km d'autonomie. Le moteur est placé dans la roue arrière. Donc c'est un moteur 250 watts qui permet en fait d'atteindre une vitesse équivalente à 25 km/h. Donc ce qui est exceptionnel sur ce vélo, c'est que vous avez donc la possibilité de faire 40 km à 25 km/h sans aucun effort. Le cerveau de ce vélo, le cerveau électronique, est sous le pédalier, c'est le contrôleur. Donc il gère les informations entre la batterie et le moteur. Il y a un capteur au niveau du pédalier qui est géré donc par ce fameux contrôleur, ce contrôleur électronique, et qui prend en compte donc le mouvement du pédalage et la pression sur les pédales. Les atouts d'un tel vélo par rapport au scooter, c'est que c'est écologique, il n'y a pas d'émissions polluantes, c'est économique, le coût de recharge batterie revient à moins d'un euro pour parcourir 1000 km, et la praticité, et vous pouvez l'emmener partout. Ce vélo devient électrique lorsqu'on appuie sur ce petit bouton rouge, lorsqu'on appuie sur On. Mais bien évidemment, pour les personnes qui désirent l'utiliser comme un vélo classique, c'est possible. Il suffit de réappuyer sur le bouton pour le mettre en position off. Donc bien évidemment, en cas de panne de batterie, on peut rentrer tranquillement à la maison.